Salut tout le monde, c'est Guillaume Vérigneau. Aujourd'hui, on se retrouve pour la démo de FIFA 19. Cette démo qu'on l'attendait depuis début septembre. Cette nouveauté marque le début de l'UEFA Champions League sur FIFA 19. Il n'y a pas que cette seule nouveauté sur cette démo. Il y a aussi le retour d'Alex Hunter dans le mode aventure où on peut incarner deux autres personnages qui sont Kim Hunter, la sœur d'Alex Hunter, et Danny Williams, l'ami d'Alex Hunter, où on peut enfin l'incarner, mais on va s'intéresser surtout au mode coup d'envoi, où il y a plusieurs modes. Il y a évidemment l'UEFA Champions League pour commencer, où on fera les phases de poule et après la suite de la compétition. Il y a aussi le match classique, évidemment, domicile extérieur, qui était depuis FIFA 17. Série, tu vois, on dispute trop 5 matchs pour déterminer le vainqueur global de cette compétition, une sorte de compétition, ouais, championnat. La coupe, ouais, finale coupe, le mode où on peut choisir une compétition de notre choix. Et puis règles spéciales, c'est un peu du 5 versus 5, du 5 vs 5, où quand un joueur marque, bah il s'enlève du terrain, un peu comme dans FIFA Street. Voilà, on va commencer par le mode de l'UEFA Champions League, par les phases de poule. Alors, dans cette démo, il y a le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, la Juve, le Bayern, le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid, l'AS Roma, Tottenham. Et puis c'est tout. Voilà, il y en a qui font leur retour dans la démo. Il n'y a pas le Barça. Je crois que l'année dernière aussi, j'y étais pas. Mais je vais prendre pour cette phase de poule de l'UEFA Champions League, je vais prendre Manchester City contre contre l'AS Roma. Voilà, il y a les maillots officiels dès la démo. Et il y a surtout le badge de l'UEFA Champions League qui est bien fait. Je pense qu'il y a aussi la mise à jour des équipes au niveau des transferts, tout ça. Et il y a le nouveau gestion d'équipe. Non, c'est pas ça. Il y a le 4-3-3. On peut modifier le 4-3-3 en ultra offensif, défensif, offensif et ultra offensif. Moi je vais mettre défensif au départ, mais on peut le changer en cours de match. Voilà. Ouais, je vais mettre cette compo là. Ouais. Je vais pas changer comme c'est une démo. Ouais, 4 minutes, c'est pas beaucoup. Et ouais, je vais peut-être le mettre au Signal Iduna Park. Ah non, il n'y a que deux stades. Ah, je croyais qu'il y avait le Signal Iduna Park dans cette démo. Bon, bah c'est que les deux stades de Madrid. Le stade de Metropolitano, de l'Atlético, et le Santiago Bernabéu, évidemment, du Real Madrid. Voilà. Moi, je vais mettre le stade de Metropolitano, de l'Atlético. On peut pas modifier. Ouais. Ah oui, ok, il y a une nouvelle façon de tirer. Hier, l'avait annoncé. Ok, ça a l'air simple. Faut juste viser au milieu. Alors apparemment il y aurait des nouveaux commentateurs aussi sur FIFA 19. Et voilà cette nouveauté où il y a l'une de UEFA Champions League dès l'entrée des joueurs. It is Manchester City up against Roma.
Les joueurs sont bien modélisés. Avec l'hymne de l'UEFA Champions League avec. Ça a l'air d'être pas mal. Là, on verra bien le gameplay. Ça va être au même niveau. On ne peut pas modifier. On ne peut pas modifier le. On ne peut pas enlever le vide artificiel. Allez, c'est parti. On va essayer de s'adapter au gameplay. La montée de Kyle Walker. Et puis nous voyons. Alors on met la pression dès le début du match. On continue d'avoir la position de balle. On continue à mettre la pression. Faire bonne impression dans cette démo. En tout cas, les passes, ils ont l'air d'être plus fluides que sur cette 18. Je trouve. Ender qui est bien modélisé aussi. Et l'arrêt de Bergson. Sterling. Il était en jeu, il aurait fané. Ah, il est en jeu. On peut pas l'enlever le Marcel. Ouais, corner. Non, allez, c'est une but. Et apparemment, il y a une nouvelle caméra à 7 6 mètres pour le gardien. Oula, c'est perdu de balle, attention. They're making considerable progress with the ball, but will there be an end product? Sterling has it. Now, counter-attacking possibilities here. The referee correctly decided to play advantage. It's with Lorenzi. Well, that would be straightforward for any keeper. Mettre dans le bain pour le jeu officiel. Et le but de Kevin De Bruyne.
avec le Matuidi Charo, toujours avec 3 joueurs, ça change pas. Ça change pas tout ça, mais il y aura peut-être des nouvelles célébrations. Et là, on voit bien la jauge hein, quand on tire. Ça, c'est bien. Je pensais que ça allait être plus compliqué. La montée de Raheem Sterling et l'arrêt de Dawson. Un bien joué pour Manchester City à la mi-temps face à Kevin De Bruyne. Allez, c'est reparti. Que l'on va donner par Yunjoko. Otamendi has it. It's with Mendy. Sané. Sané. Ouh, ça passe pas loin, c'est envolé. De Leroy Sané. Good technique, just wide. Pastore with it. Manolas. Fazio. Kolarov. Kevin Strootman. Ah, Kevin Strootman. Kevin Strootman. Ça n'a pas été. Pas été mis à jour, ils l'ont pas mis à l'OM. C'est dommage, je pensais qu'ils allaient tout. Ils allaient mettre tous les transferts à jour, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave, ils les montreront. Ils ne sont pas comme PES. Là, par contre, c'est trop tôt. Ouais, c'est plus simple, on va dire, pour tirer. On a bien vu dans la juge. Attention, on a eu Dzeko concentré. Et bien repris par Nicolas Otamendi. Là, c'était bien frappé, c'était bien, bien tiré, c'est dommage. Ça a manqué d'effet. Promising as it was, scuppered there. Fernandinho, De Bruyne, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Sterling, Walker now, De Bruyne, David Silva. Il a marqué de Kevin De Bruyne. Oh, dommage, ça passe, pas loin. Ouais, ça a l'air d'être un peu plus compliqué aussi. Parce que là, en première mi-temps, j'arrive au milieu. Mais là, la joue est compliquée. Ah bon, il n'a pas repris ce ballon qui est une de Bruyne.
Ouais, je vais faire un changement. Je vais rentrer Gabriel Jesus, place de Sergio Aguero. Keiko Dogan à place de David Silva. Et puis Riyad Mahrez à la place de Raheem Sterling. I must say, no shortage of space. Now he must favour the cross. Corner. They've won themselves a corner and a chance perhaps to add an additional goal for security. Both managers deciding this is the time to change things around. Both teams going to the bench. C'est trop tôt. Il va falloir s'habituer à et s'entraîner là au tir, surtout parce qu'avec la jauge. Là, il va pas. Anderson. Victoire, plus petit du score, 1-0, grâce à Kevin De Bruyne. Et voilà, je vais faire plusieurs matchs pour m'habituer à cette chose, à cette jauge de tir. Parce que ça a l'air d'être un peu plus complexe pour marquer aussi. C'est du groupe, ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la démo de FIFA 19. Et moi, je vous dis